avec Philippe, président de la commission détection du CKRSA. Nous espérons que nos recherches seront, enfin ses recherches à lui plutôt, seront plus fructueuses que ces jours derniers à Plougastel d'Aoulas. Après toi, donc, ce serait quoi? Oh, peut-être un truc agricole, un outil ou... Où... C'est bizarre, il y a du bronze. Là. Et t'as jamais de produits de nettoyage avec toi? Ah si, j'en ai, mais pas avec moi. Non, faut pas de produits. Non, non. Nettoyer avec coton-tige. Et de l'eau, et encore de l'eau, il faut aller mollo. En surface. Un dé à coudre. Ouais. Oh, joli en plus. Ça a de la valeur, ça? Oh, c'est pas question de valeur, c'est... Ben, c'est du vécu, c'est que ça servit à... Maintenant. Ça, ah, oui. Ça servit à... Mets-le bien sur ta paume de main, qu'on puisse distinguer. Je sais pas si on verra bien. On pourra montrer après. Là, d'après toi? Je sais pas. Je vois pas trop. Et c'est du cuivre, d'après toi? Cuivre ou bronze, cuivre. Du cuivre? Il y a de la ferraille aussi. Il y avait quelque chose en ferraille qui passait au milieu. Bon, nous avons trouvé un deuxième objet similaire au premier. Alors la question que tout le monde se pose autour de nous, parce que nous avons pratiquement tout le village de Brignogan qui est venu pour nous voir. D'ailleurs, je vais faire un plan de panoramique. Vous allez voir la foule nombreuse qu'on a tenue à distance. Voilà. Vous pouvez constater, ils sont venus tous. Ils sont venus, ils sont tous là. Le reste d'une bague. Le reste d'une bague. Ah. Ah, mais là, ah oui.